Salut à tous, je vais faire le test Ghost Song sur Xbox Series X. C'est parti, on va montrer ça. Alors c'est un jeu qui ressemble un peu à Metroid, vous allez voir. Un peu le même style, en 2D. Pour dire que le jeu, par contre, est gratuit sur le Game Pass, si vous êtes sur Xbox. Alors, armure... Alors on dirait un robot, vous allez voir, c'est une sorte de robot. Ouais, il est resté pendant bien des années. Et aujourd'hui, quelque chose s'agit d'elle. Ouais, quelque chose de nouveau. Ok, alors... Comment ça se présente? Je connais pas le jeu. Je découvre avec vous aussi. Alors... Luboto, ça doit être la planète qui s'appelle comme ça. La planète un peu à l'Avatar. D'accord, il y a des bestioles, là on voit le robot au milieu. Ah ouais, on dirait un peu, ouais. Tant qu'elle se lève, d'accord. Ah, on peut bouger la caméra déjà. Ah, on peut bouger la caméra, même sans bouger le personnage, d'accord. On peut faire des bons jump. Alors, graphiquement, ça c'est beau. Pour la 2D. Hop, la jouabilité ça bouge bien. Personnage, tout. Par contre, je vais regarder les options vite fait. Il n'y a pas des trucs. Ah, c'est les atouts. Ah, ouais, on peut monter le. Ah, elle a une arme. Ouais, des lasers. Je vais penser aux anciens jeux qu'il y avait sur la Super Nintendo et sur la Mega Drive. Il y avait beaucoup de jeux comme ça. À l'époque. Je sais pas si ça fait tirer sur ça, qu'est-ce que ça fait. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de vibrations, ça bouge bien. Bien, c'est pas... quand même pas mal pour un petit jeu comme ça, on sent bien les vibrations. On peut tirer, hein, blazer, actionner. Ok. Ah ouais, son bras, en fin de compte, c'est un genre de laser à la Cobra, pour ceux qui connaissent. Alors c'est un bœuf. Hop, on dirait même le robot dans Cobra, c'est vrai qu'il ressemble. C'est vrai qu'ils connaissent le manga. Ah, un personnage bloqué. Je sais pas si je peux le détruire. Ouais, je peux le détruire. C'est bizarre, on voit une femme là bloquée. Oula. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ouvrir le menu, statut, hein, d'accord. Alors on va ouvrir le menu. À quoi ça sert tout ça? Ouais, j'ai pas compris à quoi ça sert leur truc là. Permet d'utiliser le son environnement. Je sais pas, un truc de son environnement. Alors par où je dois passer là? Ah ouais, c'est là, d'accord. Après, les petits cristaux, je savais pas que c'était la vie ça. Un truc en vert, vous voyez en haut, c'est la vie on dirait. Les cristaux. Ouais, petite ambiance avec pas mal. Hein. Par contre, le jeu étant en anglais, avant ce petit en français. Une sorte d'alien ou zombie là. Je pense qu'au fur et à mesure, elle va évoluer parce que comme c'est un robot. Ah ouais, c'est une sorte d'alien là. On va tirer dessus. Maintenir foncé pour tirer plusieurs reprises. Ah ouais, si on... ah ouais, c'est pas mal. Pas besoin d'appuyer. Ouais, c'était maintenir une fois. Alors je sais pas s'il faut que je descende ou si je saute. Je sais pas du tout s'il y a quelque chose en bas. Je saute ou pas? Ouais, ouais, j'aurais pas dû. Si. Ah si. Ah bah si. Pas mort, je pensais que j'allais mourir. En fin de compte, on est dans une sorte de grotte, je sais pas ce que c'est, on dirait qu'il y a un vaisseau ou une base, il doit y avoir une base. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Ah, pas voulu m'ouvrir. Tirer dessus. On dirait qu'il y a un passage là par là, je vais aller voir quand même ce qui se passe de l'autre côté. Alors ça a l'air assez immense le coin. Hop. Ah, encore. C'est pas mal fait ça. Avec les plantes là. Là
il y a un robot, j'ai un niveau, c'est bien. Viseur, détermination, je sais pas ce que c'est, réparer. Ah, je peux pas le réparer, hein, il faut réparer le robot, on dirait. Ah, je sais pas ce qu'il faut, hein. Ça veut dire qu'il va falloir que je revienne ici pour réparer le robot. Partie a été sauvegardée. Ah, c'est la plante qui sauvegarde. D'accord, c'est ça qui sauvegarde, les gars, c'est une sauvegarde. D'accord, par contre, il va falloir que je revienne pour réparer les robots. On dirait qu'il faut réparer la base, en fin de compte. Base. Ah, par contre, on va tirer. Pas évident là, on va tirer en dessous. Voilà, faut bien regarder tout ce qui décore parce que des fois, c'est pas évident de voir où on doit passer. En fin de compte, on dirait des genres de donjons. Voilà, il va falloir sauter. Hop, jumper. L'ambiance est quand même pas mal, la musique est assez cool derrière. On va faire comme ça, comme à l'ancienne. Hein. Ouais, c'est vraiment... c'est le mec qui doit être fan de Metroid qui a dû faire ce jeu, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Hein. Si vous avez aimé Metroid, ce jeu-là il va être fait pour vous. Il y a encore un robot là. Je peux rien faire, on dirait. Je sais pas, il est pas. Ah, il faut peut-être le détruire. Je sais pas. Par contre, il m'a donné pas mal de vie. Voilà. Oh, il m'a donné pas mal de trucs. Les cristaux là en vert là. Ah, si vous voyez un robot vert comme ça, pensez à tirer dessus. Ça donne beaucoup de cristaux. Ouais, il est vraiment cool. Sympa. Les cristaux qui nous suivent même. C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude de voir des jeux comme ça. D'habitude, il y a des jeux de souvent de combat ou à Assassin's Creed en 2D, mais un jeu de tir comme ça, surtout sur console. On voit plutôt ça sur les jeux sur les smartphones, des trucs comme ça. Oula. La vie, ça en met pas beaucoup de vie là par contre. Et j'en ai perdu pas mal. Merde, un truc qui tire dessus là. Je vais reprendre le truc en vert. Alors, par contre, ça a l'air d'être immense le coin. Je sais pas, il n'y a pas de map. Enfin, on voit pas la carte. Bien, on voit pas de carte. Alors, je sais pas où c'est que je vais, mais j'avance. Ce qui est bien, comme je vous dis, c'est que la jouabilité, ça suit nickel. Galère pas pour avancer ou pour tirer. Hop. Oula. Oula, y'en a un qui attaque. Oula là, y'en a un qui attaque là. Oula, il est pas bien celui-là. Les gars, fais sur. Oula là. Oula, d'accord, combien elle est morte. Oula, ça vient plus d'un peu vers en bas. Oula, je sais pas si vous avez vu toutes les bestioles qu'il y avait. Les créatures. Oh, ouais, ma sauvegarde, elle était là. Ça commence à devenir du rambo. Oula, il va falloir remonter le niveau, mais le problème c'est que... Ah, ça c'est bien, cassé. On peut revenir en haut par contre. Par contre, j'aurais bien voulu ouvrir cette porte. On va voir si elle est... Mais regarde le robot, on dirait le robot dans Star Wars. J'ai mis des coups de poing. Alors, je sais même pas qu'on peut mettre des coups de poing. Je vais essayer de revenir à l'endroit où j'étais. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'avancer sans tirer. J'ai l'impression que le robot est pas assez puissant. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est un robot style femme, comme un peu un Metroid. Tout le monde voulait savoir qui c'était. C'était un homme ou une femme. C'est une femme. Oula. Allez, vite, vite. Oula, si j'ai pas vu. On va se barrer. Ils sont durs à tuer les autres là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer par là? Je n'en sais rien. Parce que là, comme je vous dis, on n'a pas de carte. Qu'est-ce que je fais là? Je pense que les armes, on peut les monter. Comme ça, je me fais attaquer en même temps. Quoi, elle a fait un bon là? Voilà, je suis remonté en haut. Ouais, l'univers, c'est cool.
ressemble un peu, comme je vous dis, à Avatar. Oula. J'ai la gueule, c'est là. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'on peut pas monter assez vite les... Je sais pas où c'est, mais on peut monter les... tout ce qui est... les armes et tout. Bon, ça j'ai rien trouvé. Qui permettait de monter. Merde, je suis pas lancé. Oh, eux ils sont durs par contre, tu es. Je passe. Oula. De là. De le shooter comme ça, oula, quoi, il a fallu m'avoir. Vraiment que c'est super bien jouable. J'arrive pas le. Il est dans un angle là, j'ai du mal à le toucher. Allez, on va jumper comme on dit. Petit saut. Merde, je prends pas les cristaux, ça va pas le faire. Là, hein. Ça me dit rien du tout ce côté là. Alors, ce qui est bizarre c'est qu'on sait pas pourquoi elle est sur cette planète. Un petit peu bizarre. Il va y avoir des boss je pense hein, après. Étonnerait que ce soit comme ça après. À la vie il doit y avoir des salles où il doit y avoir des boss. Putain une blessure j'arrive pas à le toucher. Je vais mourir en plus. Ça serait bien que je trouve de la ville. Ah, j'ai rentré une base, qu'est-ce que c'est Oula, coup le décor l'avait changé là, je vais me faire avoir en ce temps. Je tire avant, mais ça ne sait jamais, t'as mort là. On voit pas vers l'avant. Elle chauffe l'armée, putain. C'est un ascenseur? Ah ouais, c'est un ascenseur. Bon ben les gars, je suis proche, j'ai trouvé les chemins. Et de nouveau on dirait un vaisseau ou une je sais pas une base où il y avait plein de robots, je sais pas, un peu bizarre. On descend d'abord que la première fois depuis combien d'années. Hop, on va passer par là. Et il est vraiment pas mal, faut y être dedans. Bref, pareil, si vous n'êtes pas fan de jeux de tir 2D, c'est pas fait pour vous. Enfin, si vous aimez ça, je vous conseille. Cette histoire a l'air pas mal, mais quand même, même si c'est un peu bizarre. Non, putain, je me suis fait avoir. Ah non, je reviens pas là-bas, j'espère. Ah, c'est vrai que la sauvegarde, par contre... Alors, le problème qu'il y a dans le jeu, je trouve, c'est la sauvegarde. J'ai pas trouvé une autre sauvegarde, à part celle-là. Est-ce que je peux le réparer? Est-ce que je peux acheter des trucs? Je vais essayer de la réparer. Réparer. Alors c'est bizarre parce qu'on dirait qu'on peut la réparer. Et téléportation. Hein, on dirait qu'on peut téléporter après. Bizarre. Retour. Réparer je peux pas. Il doit servir ce putain de robot. Je suis sûr que ça va être intéressant après de faire monter le personnage. Au fur et à mesure. À mon avis ça va prendre du temps. Je vais essayer de remonter pour voir. Ouais, ça va être bien. Je vais essayer de remonter en haut les amis. Alors je sais pas si c'était avant les consoles, c'était plus facile de jouer sur une Super Nintendo ou une Mega Drive, des jeux comme ça que avec les manettes maintenant et PlayStation ou Xbox. Je sais pas. Je sais pas si c'est la nostalgie. Ça. Même la NES, ouais. Pourtant sur la NES il y avait que deux boutons il me semble, si je me rappelle. La meilleure manette c'était la Super Nintendo, je me rappelle. C'est vraiment super. Faut jouer à des jeux comme ça. Il va attaquer, ah là il va. Je sais pas ce qu'il a, on appelle, je sais pas où je suis allé là, mais à mon avis ce passage là il est pas mal ici. Putain. C'est dommage qu'il a pas un combo par contre. Putain il m'a jamais lu ou quoi. Ah ouais,
couler. Et là, je monte comment, là? Ah, putain. Ah, ça y est, j'ai réussi. Putain, là, j'étais dur, tu vois. C'est... Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Appuie pour récupérer la santé. Ouais. Ah, il arrive. Par contre, là, je sais pas comment je fais pour monter en haut, là. Putain, il y a un truc, non? Mais je peux pas le prendre. J'ai pas de jump, j'ai rien. J'ai pas un truc pour se faire double saut. A mon avis, s'améliorer au fur et à mesure, et le problème c'est comme j'ai pas l'atout, je peux pas monter. Ou à part il y a un truc planqué, mais ça m'étonnerait. Il y a des robots là aussi, on voit derrière. Voilà, je vais m'arrêter là les amis pour vous dire que le jeu il est vraiment pas mal. Il est gratuit sur le Game Pass, de la Xbox. Sur ce coup, moi je vous dis à plus, pensez à me laisser un petit like, pensez à vous abonner à ma chaîne Multifrance 77. A plus, ciao.